Et bonjour tout le monde. Allez, non, je finis. Enfin, et bonjour les gens, voilà, comme je... Bon, bonjour les gens. Comme je dis souvent, en fait, voilà, je suis riche, je suis ma gueule quand je dis ça, mais c'est vrai que c'était la manière souvent à moi d'ouvrir les vidéos. Je le fais un peu parce que... Donc, on est le samedi 22 décembre. Noël approche à grands pas et Noël était donc notre ligne de mire au niveau de l'aménagement. Donc là où on en est aujourd'hui, on est plutôt bien puisque nous devrions déménager officiellement le 24 décembre, lundi c'est-à-dire. Bon alors on a, au niveau du déménagement, on a un peu commencé puisque par exemple, voilà, on a déjà amené quelques cartons, mes fringues. Donc ça c'est un peu attaqué, donc en fait lundi ce sera le plus gros du déménagement mais nous n'avons pas beaucoup de meubles, c'est-à-dire un canapé, une machine à laver et une télé, donc ça devrait vite se passer. On a samedi et dimanche pour finaliser tout ce qui est finalisé, c'est-à-dire les toilettes qui sont prêtes à être installées, la cuisine, là où je suis, donc la buanderie mais qui nous servira de cuisine dans un premier temps, qu'on a été récupérer hier soir à Ikea, on a fait les immenses rayons, on a tout récupéré dans les temps, donc c'est nickel. Donc Chérichou va s'atteler à ça aujourd'hui. Et il nous reste la salle de bain à finaliser, alors qui ne sera pas finalisée entièrement, puisque je ne sais plus si je l'avais dit, au niveau de la vasque, parce que donc ça ne sera qu'une vasque. On a merdé au niveau de la commande, on l'a commandée début décembre, on pensait l'avoir pour le 15 décembre, mais en fait pas du tout, il y avait un mois de livraison, donc elle n'arrivera pas avant début janvier. Et pareil pour les plans de travail qui vont venir habiller autour de la vasque, on a un peu merdé aussi au niveau des délais, donc ça fait que tout arrivera début janvier. Donc, à l'aménagement, on n'aura pas de vasque fonctionnelle. Du coup, dans la salle de bain, on s'est dit qu'il fallait privilégier la douche ou la baignoire. La douche est quand même plus facile à mettre en place au niveau du carrelage, puisque dans la douche, il faut encore aménager un autre deux trucs. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire en priorité aujourd'hui. Chérichou est en train de finir de poncer. On va la peindre. Moi, je vais faire les joints au moins sur la partie baignoire. Et voilà, donc le siège serviette, on l'avait vu, il n'y a pas de souci, donc on aura du chauffage, il pourra être installé sans problème. Et il y aura juste la douche qui ne sera pas fonctionnelle lundi. Voilà. Donc normalement, quand on déménage lundi, nous aurons une toilette, une cuisine et une salle de bain, une baignoire. Voilà, minimum, pour pouvoir vivre. Et le lit, vous avez aussi récupéré le lit, très important. Donc il paraît, il sera installé provisoirement dans la chambre à mezzanine. Comme ça, sur les quelques jours de vacances que nous avons, on va essayer de finaliser la chambre qui sera ad vitaernam, enfin un peu plus longuement la nôtre, là où il y a notre camp de base. Et voilà. Donc voilà, ça va être ça en gros problème des vacances. Je suis désolée, je fais un long monologue, mais ça m'évite de le faire ce soir, ou demain soir, la vidéo de fin avec Chérichou, parce que je le connais, c'est quand je parle trop. Voilà, donc désolée pour vous, vous m'entendez blablater. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Oui, vite fait, donc tant que j'y suis, donc là, ça va être la... Vous êtes en train de visualiser donc la vidéo numéro 36, qui, logiquement, sera la dernière de la série régulière. C'est-à-dire qu'on va continuer à en faire, mais on ne va pas bosser à la maison tous les week-ends comme c'est le cas actuellement, donc elles seront plus sporadiques, je ne sais pas, tous les 15 jours, les 3 semaines, mais un mois, j'en sais rien. Ça va être ça pendant 3-4 mois, je dirais, puisque après, au mois d'avril, à peu près, hein, au printemps, il va y avoir la partie, la grange, à laquelle il va falloir qu'on s'attelle pour finir complètement la maison entière de, comme on la souhaite. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, les vidéos reprendront un rythme un peu plus conséquent. Mais toujours pareil, c'est pas dit qu'on y consacre les week-ends entiers. Comme on sera sur place, ça va être... enfin, on sait même pas comment ce sera en fait. Ce sera peut-être des soirs... change de bras, j'ai trop mal au bras. Ah, voilà. Donc ce sera peut-être les soirs, les week-ends, des semaines, on ne sait rien. Donc voilà, donc là, pour l'instant, bah, ouais, ça va être un peu la dernière vidéo de nos rendez-vous hebdomadaires. Voilà, j'ai fini pour mon long monologue. Je vous montre juste vite fait donc ce qui a été fait cette semaine et que vous n'aviez pas vu donc, du coup de la semaine dernière. Donc au niveau du carrelage, on a fait les joints, ça vous l'avez vu, c'est ça. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, si vous avez regardé la dernière vidéo. Je vous montre juste comment ça rend. Du coup, une fois les joints séchés, c'est-à-dire qu'en fait on est parti sur des joints très clairs, qui sont en couleur gris clair.
Au début, quand on a vu, on s'est dit merde, on a un peu regretté d'avoir fait le choix du gris clair. Et puis en fait, finalement, on aime bien, ça fait quelque chose de très uniforme. Si on avait choisi du gris foncé, voilà, on les aurait vus très marqués. Ça se fait aussi, hein, c'est très joli. Mais finalement, moi j'aime bien. Voilà, je suis pas déçue du tout. Au début, quand je suis revenue dans la semaine, ça me faisait un peu bizarre, mais là ça va. Donc pareil ici, bon, c'est toujours très sale, hein, par contre. Putain, ça résonne beaucoup moins ici. C'est toujours très sale, mais on voit tout de suite que ça met en valeur le noir, qui est vraiment la touche, qui rehausse un peu la partie d'entrée. Donc franchement, c'est pas plus mal. Donc voilà pour ça. Donc là, hop, donc voilà, je passe vite fait pour montrer. Voilà. Et donc ici, au niveau des toilettes, donc Chéri Chou a fait la faïence. Voilà. Donc elle est toute prête, les joints ont été faits, donc il n'y avait plus que le chat à poser. Parfait. Ah, il est là, la toilette. Et on a aussi, pour ceux qui nous connaissent, on avait dit qu'on ferait le sapin à la maison. Et ben voilà, il est fait. Hein, le Père Noël, il commence même à livrer des choses. C'est rigolo. Allez, je reviens aux toilettes. Donc, juste pour les toilettes, on a merdé. Hein, voilà, rien d'étonnant, hein, ça arrive, c'est compliqué de penser à tout au niveau de la hauteur de ça là. Voilà. En fait, on avait visé 1m50 de haut. Pour pouvoir faire au niveau des faïences, vous voyez, un truc plein, un truc ondulé, deux trucs pleins, un truc ondulé, un truc plein. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi, on a fait 1m25 en fait. Donc, quand je suis venue dans la semaine, ça a été réflexion pour savoir comment poser les faïences. Et puis finalement, on l'a laissé comme dans la première idée, sans rajouter la bande au-dessus, parce que vraiment, ça faisait vraiment trop moche. Voilà, mais finalement, ça passe. Ça fait un petit truc originalité, plutôt que d'avoir eu un plein, un vague, un plein, un vague, un plein. Oula, ça fait une petite originalité. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, c'est comme ça de toute façon. Allez, je vais monter vite faire l'étage. Et donc, au niveau de l'étage, donc nous sommes dans la chambre. Il y a la mezzanine. Attention, ça donne ça. Oula. Donc, explication. En fait, cette chambre va être... je sais pas si vous vous souvenez, c'est la chambre où le parquet était le plus abîmé et où surtout on avait une démarcation ici. Parce qu'avant, la cloison était ici, donc on avait une forte démarcation entre là et là, donc ça faisait pas joli, qu'on n'avait pas réussi à enlever. Donc en fait cette chambre va être transformée. Attends, je me fais, mais moi c'est un peu plus agréable. Cette chambre va être transformée, enfin la déco va être à l'effigie d'une grande ville américaine, si on laisse deviner laquelle. Du coup c'est pour ça qu'en fait du coup on est parti sur faire de pourquoi pas peindre le sol en une espèce de noir. C'est des peintures spéciales, c'est des trucs qui sont des peintures spéciales pour le bois, conçues pour le parquet. Et ça a un effet en fait, alors je sais plus, j'attaque la déco, attention, c'est bien précis. Donc c'est des trucs, ils appellent ça esprit loft. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est des trucs esprit loft et en fait ça fait un truc fonte métallisée. Voilà, donc on a l'instruction que c'est au niveau de la coloris, c'est de la fonte. Donc là, bon, il n'y a eu qu'une couche, donc c'est pas encore bien flagrant. Mais du coup, en fait, c'est très joli parce qu'il y a vachement de reflets nacrés. Si vous voyez un peu les reflets là, c'est pas que la lumière, quoi. C'est vraiment, il y a des jolis reflets nacrés. Moi, ça se voit pas du tout sur la vidéo. Mais franchement, c'est pas mal, quoi. Il y a des gris couleur zinc et tout aussi. Franchement, c'est super joli. C'est un beau produit. Donc voilà, donc c'est vraiment fait pour les parquets, c'est nickel. Normalement, il faut faire deux voire trois couches pour être sûr que ce soit pas abîmé. Après, ce sera une chambre, hein, donc avec des tapis, des trucs au sol, ça va pas trop s'abîmer non plus. Donc nous, on va faire que deux couches. Et voilà, donc c'est ma première mission du jour. Donc j'arrête de papoter. Et puis j'y vais. Allez, à plus tard pour les résultats. Bébé, avant de partir, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas. On a quoi? Ici. Ah, un truc moderne. Oui. Ouais, un truc moderne. Un truc trop bien qui fait... Ouais. Qui fait... Ouah. On a des toilettes. Bon, ok, il y en a un qui s'en fout, mais moi, je suis trop contente. Non, mais révolution. 21 décembre, midi, je sais pas, 12, 13, j'en sais rien, par là. Non, pas 21 décembre, 22 décembre. Des toilettes dans la maison. Bon, faut pas le dire, mais Chéri Chou a fait comme il pensait, il les a mis à sa hauteur à lui.
Donc, il a pas pensé aux autres personnes. Alors voilà, bon, moi c'est limite, hein. Bon, bah, chez nous, on recevra que des gens d'une certaine taille. Sinon, ils pourront pas grimper sur les toilettes. Voilà, voilà. Et voilà, la deuxième couche est passée. Ça rend mieux, hein. Bon, là, c'est pas encore sec, là. C'est pour ça qu'on voit une différence entre là et là. Voilà, bon, là où avec la lumière, ça rend pas du tout, mais... Bon, là, c'est que c'est la peinture qui est lui. Je pense sur mon doigt, on voit un peu plus le comment c'est nacré, en fait. Les reflets que ça. Voilà. Franchement, très joli. Je remonte la référence si jamais il y en a qui veut. V33. C'est V33, chérie, qu'on dit, la marque. Il me semble. Voilà. Fini. Oui. Bah bébé, on leur montre genre le fruit de ton travail ou pas? Non. Non? On leur montre le fruit de mon travail? Ouais, c'est mieux. Ah bah non, je vais dire non. T'es sûr que tu veux pas? Tu fais comme tu veux, papy. Bon, on en voit un peu derrière. Regarde, il y a le feu là-bas. Ah! Allez! Je suis toujours en train de nettoyer. Ben, j'essaie de passer. Ah, pardon. Tadam, tadam, tadam. Donc, nous sommes dans la buanderie. Nous avons procédé à l'installation. Donc, ici, nous avons trois petits meubles qui serviront plus à la partie laverie. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Leur utilisation va être détournée. Bon, il manque encore un plan de travail à installer. Et ici, nous avons donc l'aspect cuisine. Voilà. En cours de pause, c'est pas fini. C'est pas fini, mais on a oublié les plans surtout. Mais chéri chou, il est trop débrouillard et du coup, il a trop bien réussi à le mettre. Je suis en train de voir une grosse boulette, chéri. C'est pas grave. Toi aussi, tu l'as vu ? Ouais. Ça en fera deux. Celle-ci, elle a la VMC qui est bien placée. Ouais. Et pareil à la salle de bain. Donc, bref. C'est ça de faire les trous avant d'avoir les plans. En fait. Pas grave, on va se débrouiller. C'est une fermette. Voilà, demain ce sera un peu plus avancé, non? Tu continues demain? Oui. Bah oui, je vais la finir. Ouais, voilà. Et du coup, on leur montre à la salle de bain ou on leur montre pas? Non, on va la surprise pour demain. Ouais, elle est tellement belle qu'on leur montre pas. Ouais, on verra. Allez, hop. Allez, bonne soirée, bonne nuit, parce qu'il est 22h30 passé largement. C'est l'île. À demain. Bonjour les gens, on est le dimanche 23 décembre, il est 15h20, j'ai oublié de filmer ce matin, chéri chou est dans un état pitoyable, il craque. Avec sa... Ils sont où les gens pour nous aider? Avec sa sueur, il se fait une crête, parce qu'on a chaud, il fait trop chaud, on n'a pas trouvé le bon réglage du chauffage et ça fait trop chaud. Voilà. On n'a qu'à se mettre tout nu. Qu'est-ce que vous en pensez les gens d'abord? Et si on faisait un sondage? Quand les gens verront cette vidéo, ce sera trop tard. Ils seront aménagés, effondrés et, comment on dit, étalés sur le canapé. En train de se reposer. Ouais. Reposer. Donc c'est le dernier jour, mais alors plus on arrive au bout, mais alors moins on a d'énergie, quoi. C'est dingue. Voilà. Je filme pas plus, on fera un petit bilan tout à l'heure de tout ce qui a été fait et dans quel état se trouve la maison. Bon, alors nous voilà en ce dimanche soir. 22h30. Dimanche, c'est dimanche? Oui, explosé. C'est dimanche. Explosé, exténué. Non, ce qu'on veut. Choix, alors, on est plutôt pas mal. On est bien avancé sur le planning du week-end. On a juste eu un petit souci pour l'installation de la baignoire. En fait, le siphon qui est fourni est un siphon en plastoc qui risque de tenir 6 mois. Donc, chez les choux, de par sa profession, préfère aller le changer. Donc, demain matin, faut que... Voilà. Donc, je ne vous montre pas tout de suite la salle de bain, même si, ça y est, cette fois-ci, elle a pris forme au un tiers, hein, parce que donc il manque la douche à finir et la partie vasque et tout ça, mais la coin baignoire, c'est juste magnifique. Enfin, moi, je trouve. Donc, je ne montre pas plus. Je filmerai certainement demain. Voilà. Et... Donc, au premier week-end, donc on avait les toilettes, donc ça c'est fait.
Et on avait l'installation de la cuisine qui est en cours. Elle a bien avancé. Voilà. Donc il manque la table de cuisson à installer ici, qui est là en attente, et l'évier qu'on doit aller récupérer donc demain matin puisqu'il était il n'était pas en stock. Donc voilà. Donc chérie, je vous peaufine les détails. Attends, j'essaie. Donc voilà ce que ça donne. Donc bientôt, dans un second temps, il y aura une crédence. Voilà, pour habiller un peu. Ici, c'est toujours pas plus arrangé, mais c'est normal, c'est voulu. Je ne sais plus si le plan de travail il était mis hier, chérie, non? L'autre, non. Non. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc moi, je ne me souviens même plus de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis incapable de le dire. Je sais, parce qu'on en a trop fait aujourd'hui. C'est juste ici, on a mis les spots. Voilà, franchement, ça claque à mort. Chérie Chou, il a peint donc, le plafond. La deuxième couche a été faite. Donc, c'est pour ça qu'on a pu découvrir les poutres. On a pu installer les spots. Et ça claque. Ça claque, ça claque. Voilà, donc lui, le sol là, ici, il est tout nettoyé. Je vais me mettre, je ne sais pas si je fais combien de temps à enlever les taches de peinture qui avaient été faites. Voilà, et puis après, ici, on a la toilette donc, qui est faite avec un bel interrupteur, le premier installé. Le spot aussi qui est là. Bon, c'est pas la même lumière, la même température de lumière, mais c'est pas grave. Bon voilà, donc du coup au programme demain déménagement, donc on amène toutes les affaires, finition d'installation de la cuisine et puis surtout gros ménage à l'étage, voilà. Et si possible vitrifier le parquet, bon, mais ça c'est à voir puisque demain nous serons donc le 24 décembre et en ces périodes de fête nous allons essayer quand même d'en profiter un petit peu. Donc voilà, donc nous allons fêter ça et après on sera là à l'internat. Et voilà, donc je pense que je filmerai encore un petit peu demain pour montrer dans quel état est la maison quand on est en ménage. Et puis après, c'est ce que je vous disais. Je sais pas quand on va regarder la prochaine vidéo. Allez, en attendant, à demain. Hey, bonjour les gens, ça y est, on y est, lundi 24 décembre et jour du déménagement, hein, en bordel. Je filme pas trop longtemps parce qu'en fait il pleut, enfin ça bruine. Donc voilà, mais faut vider tout ça pendant que Chou finit d'installer la baignoire et de finaliser la cuisine. C'est parti, parce que ce soir faut aller faire la fête. Wouhou. Oh, on a une machine à laver qui lave en plus. C'est pas beau ça? Magnifique. Donc voilà, à 18h20. Ça y est, on a vidé le camion, je sais pas si on voit derrière. Il fait nuit. Avant de retrouver Chéri Chou pour le mot de la fin, je voulais remontrer la maison dans son entier, dans son ensemble, à la manière que j'avais filmé à la première vidéo en vous montrant toutes les pièces, en refaisant le tour. Voilà, juste pour montrer un peu avant-après. Donc, je pense que je ferai des trucs avec des photos avant-après sur mon blog, enfin sur mon site internet, mais fou, dans longtemps, pour bien voir la différence, mais voilà, juste pour le plaisir. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc nous nous trouvons dans l'entrée. Voilà. Donc là nous retrouvons bien l'escalier. La seule unique chose qui est restée d'avant. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on rentrait ici sur la droite, on avait donc l'ancienne cuisine avec la cheminée, le vieux four, voilà, les trucs, une partie, un petit meuble là-bas. Donc là, actuellement, ça n'a donc plus rien à voir, puisque nous avons donc notre entrée, qui contient entre autres la moitié des cartons. Le petit sapin de Noël dans ce 24 décembre, c'est très important. Et derrière, donc là, il y avait la cuisine ici. Et ici, on avait un petit couloir, par là, là, qui amenait sur la droite à la salle de bain et sur une espèce d'espace ouvert. Donc, bonjour monsieur, vous êtes dans la salle de bain? Oui. Donc attends, là. Je lave les fesses dans le lavabo. Ouais, c'est vrai qu'il était là le lavabo. Donc là, la porte-fenêtre, hein, il n'y était pas, c'était juste une fenêtre qu'ils avaient bouchée, donc on l'a recréée, donc il y avait la douche ici. Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. La table de cuisson a été installée et l'évier aussi, qu'on a pu aller récupérer. Tout marche, c'est nickel. Voilà, je monte vite fait de l'autre côté. Quoi, la table de cuisson ne marche pas? Ben non, ah oui, c'est bon, on n'a pas acheté la bombe de gaz.
Et ici, donc derrière, nous avons la chaudière, nous avons un premier frigo qu'on a récupéré aujourd'hui, donc qui est en train juste de dégivrer. Il va y avoir bientôt le congélateur et donc une machine à laver, et ça manque un peu d'aménagement au-dessus. Ça viendra. Là, donc nous avons donc l'ancien local technique, enfin si, quand même toujours local technique, placard à balai maintenant. Ouais. Et ici, on avait donc, c'était la pièce qui était très très humide, il y avait des problèmes d'humidité et qui était très noire et que moi j'aimais pas du tout. Donc là, nous avons juste le couloir. Et je vais tenter d'aller montrer le bureau. Mais c'est un. On a créé des ouvertures. Oui, non, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste pour montrer le canapé. Nous avons tenté une tentative de mise en place, mais ça ne passe pas. Donc, il va falloir le démonter. Et là, vu que nous avons autre chose à faire que ça, nous l'avons laissé là où nous l'avons amené parce qu'il est très très lourd. Et donc voilà. Et donc ici, nous retrouvons le bureau qui ne résonne plus du tout. Parce que nous avons mis bon nombre d'affaires. Hop là. Donc voilà. Rien quoi dire sur ce bureau, si ce n'est qu'il rend super bien. Bon, là, il y a tout le bordel, mais donc il sera aménagé, mais vraiment longtemps. Je m'avance pas plus, j'ai le canapé qui cogène. Et donc là, les toilettes. Hop. Oh, is. Bon, je pense que le bureau, en plus, vous l'avez assez vu. Et nous montons l'étage, donc nous retrouvons le bel escalier. Parce que oui, donc aujourd'hui quand même, nous avons fini de nettoyer et tout ça. Donc le bel escalier qui est super bien revenu. Hop. Talin. Et nous avons aussi remis à jour le parquet. Donc la cage d'escalier, qui ne ressemblait pas du tout à ça, puisque donc avant, il y avait le plafond. Voilà. Donc ici, on avait une première chambre dont l'entrée se faisait là-bas. Voilà, donc c'est celle-ci qui a la mezzanine aujourd'hui, là-haut. Voilà, qui est juste le sol peint. Ici, nous avons donc la chambre la moins travaillée, celle qui était toute verte avant. Puisque là, ni les enduits sont faits. Enfin, voilà, c'est celle donc que nous avons totalement délaissée et qui sert d'entrepôt de bordel. Et d'entrepôt de notre futur matelas et sommier. Voilà, c'est pas encore installé parce que nous ne dormons pas là ce soir. Hop, je réteins ici. Et ici, on avait donc... ici, ça faisait un énorme espace. C'est un espace ouvert et il y avait la chambre qui était à partir d'ici. Là, à peu près. Donc là, nous avons fait le couloir. Et donc la chambre aussi que vous connaissez bien. Voilà. Qui est presque finie. Il faut juste qu'on fasse la deuxième couche de peinture et qu'on ponce le sol est poncé. Mais qu'on le vitrifie, en fait, c'est tout. Voilà. C'est notre camp de base, base de vie, quoi. Donc ça va être... je suis fatiguée. Hein. Mis en place pendant les vacances, là, pendant les jours qui arrivent. Donc voilà. Et ici, là on avait une énorme armoire, je m'en souviens. C'est même là où on avait retrouvé derrière l'armoire le carnet de notes du propriétaire. Enfin, d'une des personnes qui nous a vendu, puisque c'est une fratrie qui nous l'a vendu, la maison. Là, le chiotte qui reste à faire. Donc. Et je termine enfin par le clou final pour ne pas vous gâcher. Donc voilà. La salle de bain, nous avons installé le sol, qui est du sol vinyle, ce qui va très bien dans la salle de bain. Donc là, on retrouve donc la partie 1 qui n'est pas du tout finie, avec là où il y aura les vases qui la douche. Et on peut voir que c'est tout blanc en haut, parce que chez Richou, il a tout peint. Et donc, elle est, hop, je me recule au max pour essayer de faire un effet. Et voilà ce que ça donne. Voilà! Bon, elle est un peu petite, donc du coup, je manque de recul. Mais, ouais, la partie baignoire est faite, la baignoire est installée, fonctionne, hein, on voit des traces d'eau dedans, c'est bien que ça a coulé de l'eau, pas de souci. Et là, nous avons le sèche-serviette installé. Donc, les petites mosaïques, le petit rappel, et dans la douche, en fait, on aura un rappel de mosaïque, en fait, aussi sur le fond, et la verrière là. Voilà pour le petit tour de la maison dans son état en ce 24 décembre. Voilà, nous arrivons au terme de cette
30, merde, j'ai perdu le compte vidéo. 36e vidéo, je crois. Je crois que le mot te revient. Le mot de la fin ? Quand on a commencé les travaux, donc c'était le 1er mars 2018, l'une des choses que tu m'as dit en premier, tu m'as dit, je veux pas savoir, il faut qu'on y soit à Noël. On est le 24 décembre, il est 19h. Il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de dinde, il n'y a pas de marron. Mais on y est ! Voilà, on va pouvoir dormir là. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage en hauteur, je ne sais pas pourquoi, j'avais la vision du mur rose pourpre là, qui est vert, enfin bon, qui est juste derrière le placo. En rose ou vert ? Bah, celui en haut de l'entrée là. Mmh. En haut de l'escalier. Donc, tu sais, il est rose, orangé, bizarre. Je sais pas, on fera un tour dans le placo si tu veux pour savoir. Non, de toute façon, il y a une de bois. Bon, voilà. Bon, ben, ceci n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à emménager. Ah ouais. Mais. On a fait que la moitié. On l'a fait quoi ? Le tiers. On l'a fait. C'est trop bien. Je suis fière de toi, moi. Et moi, donc, moi aussi, je suis fière de toi. Non, voilà. Bon, allez, mais je crois que je ne sais pas quoi dire en fait, je ne sais pas quoi dire de plus, donc je pense on a de la route à faire, on se dépêche. Ouais, on est attendu. Apparemment, il ne passe pas ici encore, donc il faut aller à 200 km de là pour aller le chercher. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais je pense que juste un au revoir pour clôturer cette vidéo et vous dire à bientôt, ça suffira. Merci en tout cas de nous avoir suivis, c'était drôle. Enfin, nous, ça nous fait un bon souvenir, c'est cool. À bientôt les gens. À bientôt.